Amen. Et sans plus tarder, je vais inviter notre pasteur. Et quand il va passer, manifeste cette joie en produisant pour la gloire de notre Jésus. Et sans plus tarder, nous allons partager la parole de Dieu. Et je sais que l'Éternel nous a préparé quelque chose enfin de nous fortifier, de nous adonner par rapport à notre vie chrétienne. Et la fois dernière que nous avons appris la résurrection des corps spirituels, et Dieu nous a parlé, je sais que beaucoup de gens ont reçu la parole forte qui devait fortifier dans leur vie et de comprendre que dans notre vie, le plus important que Jésus-Christ est venu sauver, ce n'est pas seulement notre corps charnel, mais c'est la contenir. Alléluia. Et pour des gens qui ont certaines expériences de la foi, et nous essayons de parler plus sur Jésus. Pourquoi? Parce que notre vie chrétienne est liée à une seule personne, à un seul sauveur. Alléluia. Et notre sauveur, c'est Jésus-Christ. Et nous avons appris que le plus important que Jésus a pu sauver, c'était l'homme, la contenue ou l'homme intérieur. Et pour revenir encore un peu en arrière, vous allez se rendre compte, Dieu a dit et Dieu disait, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Or, notre corps est tiré de la poussière. Or, la contenue que Dieu a mis, qui est la ressemblance de Dieu, ce n'était pas cette chair. Mais la Bible dit, après avoir formé la terre, Dieu souffla sur l'homme. Et l'homme est devenu un être humain. Et si Dieu n'a pas permis que la contenue ne puisse pas être détruite totalement, c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit à lui, comme dit la Bible, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et si nous sommes dans l'église, si nous venons prier, malgré les conditions, parce que nous savons l'intérêt qui nous appelle d'être ici dans ces lieux, et nous devons savoir notre plus grand intérêt dans la foi, ce n'est pas être seulement béni, ce n'est pas seulement être sauvé ou obtenir la guérison ou être millionnaire ou je ne sais quelle chose encore. Notre plus grand intérêt, c'est avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et non seulement avoir la vie éternelle, quand Dieu nous appelle dans la foi, il change aussi notre destinée. Quand Dieu nous appelle dans la foi, si la malédiction était dans notre vie, si les échecs avaient l'influence dans notre vie, Dieu est aussi capable de changer cet échec-là en victoire. Dieu est aussi capable d'amener de nouvelles choses dans notre vie. Dieu est aussi capable de restaurer ce qui était détruit. Dieu est aussi capable de nous donner au-delà de ce que nous avons avant. Dieu est aussi capable de faire des choses que l'être humain ne pourra jamais faire. Dieu est aussi capable de t'amener à l'élévation. Dieu est capable de faire des choses que l'être humain ne pourra en aucun cas réaliser dans ta vie ainsi que dans notre vie. Voilà l'intérêt que Dieu nous a donné un sauveur. Dieu a sacrifié son Fils pour que des choses dans notre vie, des choses dans notre vie puissent changer. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous voulons partager un pensée. Notre thème d'aujourd'hui, c'est titulé « Lève-toi, va et cherche la nesse. » Lève-toi et va et cherche la nesse. C'est-à-dire, dans la vie chrétienne, ou dans la vie individuelle, vous pouvez avoir quelque chose et vous pouvez la perdre aussi. Mais à un moment donné, pour retrouver quelque chose que vous avez perdu, vous avez besoin de faire des actions. C'est pour cela qu'il te dit aujourd'hui, lève-toi et va et cherche la nesse.
C'est-à-dire, celui qui prend l'initiative de s'élever. On peut s'élever à plusieurs manières. On peut s'élever dans la vie des prières. On peut s'élever à la manière de chercher Dieu. On peut s'élever d'une manière en disant, je me lève pour que ma situation change. On peut s'élever pour dire, je vais vers Dieu. On peut s'élever en disant que de nouvelles choses commencent dans ma vie. Quelqu'un qui est assis sans pour autant s'élever et limiter des actions. Ses actions sont limitées, il peut faire certaines choses, il a des limites. Mais celui qui prend l'initiative de s'élever, même si quelque chose était loin, il a la possibilité d'atteindre cet endroit-là. Même si quelque chose était tombé, même s'il était déplacé, il est capable de récupérer ce qui était tombé. Alléluia. Lève-toi et va. Et vous allez se rendre compte, lorsque nous parlons d'y aller, lorsque Jésus, après avoir enseigné ses disciples, après avoir prêché la parole de Dieu, Jésus les a dit, allez dans toutes les nations, faisant ces personnes-là mes disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est un ordre. Or, un ordre sans exécution n'a pas l'action, n'a pas la puissance de l'accomplissement. On peut donner un ordre, même à un enfant, à une personne, mais à un travailleur, si cela n'est pas exécuté, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de résultat. Je donne un ordre, débalayer la maison, mais personne ne bouge, personne ne se lève pour le faire. C'est-à-dire la saleté restera là. Lève-toi et va. Et vous devez savoir, lorsque nous parlons de Jésus, notre Jésus, aujourd'hui nous pouvons dire notre Jésus, au départ, il n'était pas destiné pour nous. Jésus était venu spécialement pour le sauver des Israélites. Mais l'amour de Dieu a fait en sorte, comme cela est écrit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'est-à-dire, quand il te dit, lève-toi, pour que tu ne puisses pas périr. Quand il te dit, lève-toi, pour que tu ne perds pas la vie éternelle. Va à la recherche de Dieu, va à la recherche de la naissance, va à la recherche de la bénédiction, va à la recherche des solutions, va à la recherche des changements de ta vie. C'est-à-dire, le tout commence par l'intérêt. Je ne peux pas me lever et aller sans pourtant avoir une bite. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, ce que tu as perdu, l'Éternel est capable de te rendre. Ce que tu as perdu, l'Éternel est capable de te donner. Ce que des gens ont déclaré zéro, il est capable de changer cela. Amen. Mais il te dit une chose, lève-toi et va. Ça dit, peuple de Dieu, si tu vois des obstacles, si tu mets des limites, tu ne peux pas avancer pour arracher quelque chose. Il y a des choses qu'on peut récupérer avec joie et tendresse, avec amour. Il y a des choses qu'on a besoin d'arracher. Tu te lèves en disant que l'échec, tu dois te taire. Maintenant, moi je me lève pour récupérer ce qui m'appartient, pour me récupérer ce qui est à moi, pour récupérer ce qui va changer ma destinée, pour récupérer ce qui va être une solution, pour récupérer ce qui va restaurer ma vie. Lève-toi et va. Cherche la naissance. Peuple de Dieu, aujourd'hui, il y a plein de mystères. Mais avant qu'on puisse entrer dans les mystères, j'aimerais qu'on commence par la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on commence par la lecture de la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu. Matthieu chapitre 15, du verset 24 à 27. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Il répondit, je n'ai pas été envoyé
brebis perdues de la communauté d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui et dit, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, 26, « Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » 27, il reste 27. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alléluia. Acclamez pour la parole de Dieu. J'aimerais rapidement rappeler la lecture que nous venons de lire. La Bible nous apprend que Jésus était en déplacement, il s'est retiré. Au moment où il s'est retiré, il y a une femme qui est venue vers Jésus. Et la femme réclamait à Jésus en criant plus forte. Maître, j'ai un problème car mon enfant a un problème, il est possédé. Et Jésus cria plus fort, et la femme cria plus fort. Et Jésus continue à progresser sans pourtant se préoccuper de la dame. Et ses disciples, les cris de la dame étaient tellement forts, ont interpellé Jésus en disant, « Maître, regarde la femme qui crie et tu ne t'intéresses même pas à elle. » Et Jésus a réagi en disant que moi, je suis venu sauver des brebis perdues de la maison d'Israël. Et Jésus a continué en disant que la nourriture des enfants, on ne donne pas aux chiens. Et la femme a réagi en disant, écoutez, si les miettes tombent par terre, les chiens aussi en profitent. Et Jésus a compris en disant que oui, même à Israël, même si la terre, même des gens par lesquels je suis venu sauver, ne comprend pas, n'ont pas ce genre de foi que la dame a. Première chose, la dame a appris par nouvelle que Jésus va passer. Elle a compris qu'à travers Jésus, elle aura la solution pour le problème de son enfant. Bien qu'il y avait des obstacles dans cette condition, la femme n'était pas israélite. Jésus était venu par sa mission, il était venu sauver les brebis égarées de la maison d'Israël. C'est-à-dire, d'autres personnes ne pouvaient pas profiter de cette salie, ne pouvaient pas profiter d'être sauvées de cela. Et lorsque la femme commençait à crier plus fort, Jésus entendait même des disciples, parce que l'enfant de la femme était possédé de démons. C'est-à-dire, la médecine était incapable de répondre à son problème. C'est-à-dire, des médecins n'étaient capables à répondre à son problème. Mais elle a compris qu'il y a un sauveur. Si je m'attache à lui, si je me lève, je vais vers elle, je vais vers lui, il y a quelque chose qui doit changer. Elle a compris une chose. Première chose, je dois me lever. Deuxième chose, je dois aller, va. Et troisième chose, je dois chercher la naisse. La naisse pour toi, ça peut être la santé. La naisse pour toi, ça peut être les papiers. La naisse pour toi, ça peut être le travail. La naisse pour toi, ça peut être le mariage. La naisse pour toi, ça peut être l'élévation. Mais elle a compris une chose. Je ne resterai pas assis. Première chose, je dois me lever. Peu importe les obstacles qui existent. Et par rapport aux réactions, si c'était vous et moi, vous devez déjà abandonner. Alléluia. Oh, je viens auprès des sauveurs. Il commence à me répondre ainsi. Il dit, moi, Jésus a réagi ça en disant, je ne suis pas venu pour toi, madame, mais je suis venu sauver les brebis égarées des maisons d'Israël. Toi, tu ne peux pas profiter. Elle a insisté. Jésus l'a dit encore, la nourriture destinée aux enfants, on ne donne pas aux chiens. Mais la dame a répliqué, il dit, même
des miettes qui tombent par terre, même des miettes qui tombent par terre, un chien peut en profiter. Si c'est un los, il peut en profiter. Parce que je sais l'intérêt, des miettes peuvent changer ma situation. Jésus a compris, dans la vie de cette femme, il y a la foi. Parce qu'elle s'est levée, elle a marché pour chercher la solution, pour trouver ce qu'elle a perdu, pour qu'il y ait la solution. Jésus a dit, même en Israël, je n'ai jamais vu ce genre de foi. Peuple de Dieu, dans tes problèmes, ce qui a fait que tu sois un enfant de Dieu, c'est par la foi. Jésus n'était pas pour nous, il était pour les Juifs. Mais ta foi a fait en sorte de dire, je dois me lever, je dois aller à la rencontre de mon Créateur. Je dois me lever pour recevoir quelque chose de sa part. Je dois me lever pour vivre un changement de ma vie. Je dis, peuple de Dieu, quand tu te lèves, quand tu acceptes d'y aller, tu es parti à la recherche d'autre chose. Dieu aussi est capable de te donner au-delà de ce que toi tu attends. Tu te lèves. Bon, je vais seulement adorer. Mais Dieu est capable de te donner au-delà de ce que tu cherches. Jésus accomplit dans la vie de cette femme reposer la foi. Jésus accomplit à travers cette femme, il y aura des choses impossibles à se réaliser. Même un chien est profité à profiter de la bénédiction. Peuple dirait, si nous sommes zéro, laisse-moi te dire, la femme accomplit. Je suis zéro, mais un zéro peut changer à quelque chose. Alléluia. Pour mieux comprendre ce message, avant d'entrer en profondeur, nous allons lire dans 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 9, verset 3. Les ânes de Kis, le père de Saül, s'égarèrent et Kis dit à son fils Saül, prends avec toi l'un de ses serviteurs. Lève-toi et va à la recherche des ânes. Alléluia. Amen. Acclamé pour la parole de Dieu. Ici, la Bible nous parle Kis, qui était le père de, a perdu ses ânes. Et lorsque lui a perdu ses ânes, il a réveillé son fils en disant, mon fils, lève-toi et va à la recherche des ânes perdus. Prends un serviteur avec toi. Va pour aller retrouver ces ânes qui ont été perdus. Et la Bible m'apprend. Lorsqu'il s'est déplacé, il partait pour aller chercher l'ânes perdue de son père. Mais au cours du chemin, 3 jours plus tard, ils n'avaient pas trouvé la naisse tant cherchée. Arrivé quelque part, le serviteur lui a fait une proposition. Il dit, on est ici, on a évolué. Mais le problème c'est quoi? On n'a pas retrouvé la naisse. Je te fais une proposition. Là où nous sommes, il y a un prophète, parce qu'à l'époque, des prophètes, on pouvait l'appeler aussi voyant. Et c'est le nom utilisé aujourd'hui par des voyants aujourd'hui, parce que Dieu a changé cela en prophète. Des prophètes, il y a un prophète ici, on va passer, peut-être lui, il pourra nous orienter pour la recherche de la naisse que nous sommes en train de chercher. Ils ont arrivé, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont cherché les prophètes. Il dit, ne vous en faites pas, car les prophètes, il y aura une manifestation de taille, il y aura une manifestation. Le prophète sera ici pour le sacrifice et pour l'holocauste. Et lorsqu'ils ont rencontré le prophète les a dit, il dit, vous êtes venus pour chercher les ânes, l'ânesse, n'allez pas encore. Il y a une fête, vous vous êtes invités. Et non seulement ça, je vous ai réservé les places d'honneur dans cette fête. Il dit, non, nous sommes à la recherche de l'ânesse. Il dit, reste ici.
car vous aurez une place de marque. Et lors des sacrifices, de la fête des sacrifices, ils étaient à une place de marque. La Bible m'apprend qu'à la fin de la fête et le lendemain matin, les prophètes les accompagnaient à leur départ. Et a dit, première chose, des années que tu étais en train de chercher, cela est déjà trouvé. Mais je t'ai dit une bonne nouvelle. Non seulement tes années sont déjà trouvées, mais je t'ai dit, toi, ta vie de cet instant vient de changer. Parce qu'en partant, tu vas te rencontrer avec un groupe de prophètes. L'Esprit de Dieu va t'envahir. Lorsque l'Esprit de Dieu va t'envahir, toi aussi, tu vas commencer à prophétiser avec eux. Et non seulement ça, dès que tu as, on s'est rencontré, je te dis que l'Éternel t'a élevé déjà comme un roi. Alléluia. Un homme qui partait à la recherche de l'ânesse perdu de son père, mais a pu rencontrer un prophète en cours de route. Ils avaient même l'inquiétude, comment aller chez le prophète parce que nous n'avons rien à lui donner. Mais ils ont pu partir parce qu'ils avaient la conviction, le fait d'aller là-bas, ils vont avoir la nouvelle de retrouver l'ânesse perdue. Et arrivé là-bas, c'était plus que la nouvelle. Non seulement la nouvelle était que les ânesses sont déjà trouvées, mais il les a encore donné des messages de l'élévation dans leur vie. Que tu seras élevé comme roi. Mais avant d'entrer dans la royauté, tu vas d'abord entrer dans le groupe des prophètes. L'Esprit du Seigneur va descendre sur toi. L'Esprit de Dieu va faire de toi un prophète. Toi aussi, tu vas commencer à prophétiser. Et la Bible m'apprend dans Samuel, dans verset 9 et dans verset 10. La Bible nous apprend, arrivé aussi, il s'est rencontré avec des gens. Et le premier étonnement, lorsque les prophètes prophétisaient, lui aussi il prophétisait. Et des gens regardaient. Il dit, cet homme, et si il est aussi prophète, depuis quand il est parmi les prophètes? Depuis quand il commence aussi à prophétiser? Alléluia! Si quelqu'un a compris, acclamez pour la parole de Dieu. Là, tu acclames comme si tu n'es pas content. Acclamez! J'aimerais maintenant faire comprendre à quelqu'un. Peuple de Dieu, Dieu a permis que vous soyez ici dans ce lieu. Parce que Dieu a quelque chose à te donner aujourd'hui. Alléluia. Le premier audace, la femme a compris. Lorsqu'il a vu qu'elle avait un problème, elle s'est levée pour avancer. Et la deuxième chose, elle a compris, j'avance pas pour échouer, mais j'avance pour obtenir un résultat. J'ai dit, elle s'est levée, non pas pour échouer. Premier obstacle de quelqu'un qui veut s'élever, il doit d'abord penser, lorsque je dois m'élever, lorsque je dois m'avancer, je dois échouer dans tel point, je ne réussirai jamais. Mais elle s'est dit en elle, je me lève pour avancer vers quelqu'un, vers un sauveur, pour avoir un résultat. Peuple de Dieu, lorsque le père a perdu les ânesses, il se dit, j'ai un fils. Si moi je ne parvais pas à trouver, j'ai un fils, je vais mandater mon fils pour aller trouver ce que je viens de perdre. Alléluia. Je vais mandater mon fils pour aller récupérer ce que je perds. Lorsque le fils s'est levé, il y avait des choses qui étaient préparées déjà pour sa vie sans le savoir. Il cherchait l'ânesse. Mais c'était la bénédiction qui était devant lui. Alléluia. Il cherchait l'ânesse, mais c'était les grandes choses qui étaient devant lui. La Bible m'apprend, lorsqu'il avança, l'idée est venue. Pourquoi pas aller vers Dieu? Pourquoi pas aller rencontrer les prophètes? Pourquoi pas aller prier aujourd'hui? Peuple de Dieu, si tu as mis tes pieds ici, c'est la volonté de Dieu, parce qu'il a un plan pour toi. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, tu peux venir parce que tu voulais seulement partir un temps. Mais lorsque le projet de Dieu est sur toi, tu peux chercher autre chose. Derrière ça, l'Éternel te garde l'élévation. Derrière ça, l'Éternel te garde la bénédiction. Derrière ça, l'Éternel te garde la solution. Derrière ça, la prophétie de Dieu sera sur toi.
Il a compris. Il dit que je dois avancer. La Bible dit, dans cette fête, il n'est pas assis dans n'importe quel endroit. Il était dans un endroit privilégié. On l'a mis là-bas parce que l'ordre est venu des prophètes. Je dis aussi pour toi, l'ordre est venu de Dieu. Là où tu étais avant, tu ne seras plus là. Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Première chose, parce que tu t'es levé. Deuxième chose, parce que tu dis que j'y vais. Troisième chose, parce que tu vas retrouver ce que tu as perdu. Si tu as perdu quelque chose, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas retrouver parce que ton Dieu est vivant. N'aie pas peur des obstacles, des gens qui te diront, toi tu es n'importe qui, tu es prostitué, tu peux pas manger la nourriture destinée aux enfants, tu peux pas manger la nourriture destinée aux enfants de Dieu. Des saints mangent la nourriture sainte. Mais Dieu te dit, si tu as la foi de distinction qui dépasse d'autres personnes, tu peux contrer la parole des gens. La parole des gens peut échouer devant toi parce que ta foi dépasse leur foi. La Bible me dit, même la parole de Jésus était incapable de décourager la femme qui avançait vers sa solution. La Bible me dit que la parole, même Jésus lui a dit, il a utilisé plusieurs paroles. Je ne suis pas venu pour toi, je suis venu pour Israël, mais ça ne lui a pas découragé. Je ne suis pas venu pour les hommes, ça ne lui a pas découragé. Je ne suis pas venu pour des Congolais, ça ne lui a pas découragé. Elle s'est dit en elle, le fait de rencontrer cet homme, je dois avoir ce que j'ai besoin. Je ne me suis pas levé pour rien, je me suis levé pour obtenir ce que j'ai besoin. Peuple de Dieu, si tu viens ici, tu dis seulement je suis là, j'aurai rien. Oui, effectivement, tu auras aussi rien. Mais si tu te lèves en disant que je me lève et j'y vais là-bas, ce que j'avais perdu, je vais retrouver cela. Ce qui ne m'est pas à moi, j'aurai cela. L'Éternel verra à la dimension de ta foi. Et cet homme, la Bible me dit que sa vie a été changée. Et s'il a rencontré un prophète et obtenu la royauté, combien en plus forte raison celui qui rencontre le roi des rois, qu'est-ce qu'il aura de plus que cet homme? Il disait, auprès des prophètes, nous allons voir la réponse. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu veulent obtenir certaines réponses dans leur vie. Quand même ils cherchent Dieu, il dit qu'ils me disent, qui me fait cette mal que je vis, qui me fait ça. Je dis, derrière ce que tu cherches, l'Éternel te garde des grandes choses qui dépassent ça. Derrière ce que tu veux savoir, le sorcier qui règne dans ta famille, l'Éternel a déjà dépassé cela. Ta recherche t'amène vers l'élévation. Ta recherche t'amène vers l'accomplissement. Ce que des hommes déclarent impossible, quand toi tu te lèves déjà, tu acceptes de marcher. Cela veut dire, si tu as la conviction en disant que j'y vais pour un changement, aucune parole humaine ne peut te décourager. Celui qui se lève en disant ce que j'ai perdu, je dois retrouver. Aucune identité humaine peut les empêcher d'atteindre son but. Amen. On a appris ici, Dieu nous a appris, celui qui se confie à l'Éternel, lui là, il court, il ne se fatigue pas, il court, il ne se lâche pas, il continue jusqu'à la fin. Celui qui se lève aussi pour tendre la victoire, peu importe si tu nous frappes, peu importe si il plaît, peu importe si vous dites n'importe quoi, tout ce qu'il voit, c'est l'accomplissement. Tout ce qu'il voit, c'est l'accomplissement de ce que Dieu a mis devant lui. Je dis aussi à quelqu'un, dans ta vie, Dieu a mis des choses extraordinaires. Ce qu'il manque en toi, ce n'est que la foi. Lorsque la foi agit, aucune parole ne pourra décourager ta foi, ni détruire ta foi. La foi en toi, si tu crois fermement en Dieu, personne ne pourra décourager ton objectif principal de la victoire. Peu importe des obstacles, chaque fois que tu vas évoluer, la victoire sera à ta côté. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Laisse-moi t'expliquer. Un homme était dans la maison de son père. Et cet homme, il était dans la maison de son père. Il a eu un rêve. Et sa vision
a suscité la jalousie. Et la jalousie a failli de lui amener vers la mort. Mais de cette mort a amené la querelle auprès de ceux qui voulaient les tuer. Jamais ils étaient en commun accord. D'autres disaient, tuez-les. D'autres disaient, vendons-les. D'autres disaient, tuez-les. L'autre disait, vendez-les. J'ai dit, si tu comprends le message d'aujourd'hui, quand tu te lèves avec conviction et avec foi, et tu vas, des projets même l'ennemi prépare pour ta vie, sera pour t'amener à la bénédiction. Il prépare un projet. Il ne savait pas que ce qu'ils sont en train de préparer, ça t'amène vers l'accomplissement des grandes choses. Parce que s'il y a une chose, on ne peut pas jamais se détourner dans la vie d'une personne. C'est la parole que Dieu a mise dans la vie d'une personne. Tu ne peux pas. Si tu le fais, c'est-à-dire, si l'ennemi fait, cela va être l'ascension pour ta vie. Tous les projets de l'ennemi sera pour t'amener à l'accomplissement de toutes tes bénédictions. Je te dis ce soir, suivez-moi bien, peuple de Dieu, ton zéro peut changer à 1 million. C'est-à-dire, lorsque tu tombes à zéro, ne crains pas. Parce que ce qu'il manque dans ces zéros-là, c'est la parole de ton Dieu. Lorsque la parole de ton Dieu sera prononcée, ton zéro, prenez seulement un zéro. Un zéro est considéré comme rien. Ajoutez un devant. Ça devient quoi? Si vous avez mis beaucoup de zéros, si on ajoute un devant, ça ajoute quoi? Alléluia. C'est-à-dire, n'ayez pas peur. Celui qui a confiance à Dieu, que tes échecs ne te fassent pas trembler. Ayez confiance à Dieu. Si j'ai l'échec, parce que des promesses sont sur moi, l'accomplissement viendra. Et cet accomplissement va m'amener plus haut. Peuple Dieu, quand tu te sens humilié, la Bible m'apprend que cet homme s'est retrouvé encore en prison. Il est devenu d'abord esclave. Or, la Bible me dit que cet homme était le plus aimé de sa famille. La Bible même me dit son père lui a façonné l'habit de plusieurs couleurs, ce qui suscitait la jalousie. La Bible dit ces habits-là, lorsqu'on lui a pris, les premières choses qu'on lui a récupérées, c'était l'habit de plusieurs couleurs que son père a fabriqué pour lui. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire ce que l'ennemi croit le plus précieux qu'il a en train de voler de ta vie, c'est rien par rapport à la bénédiction cachée qui est en toi. Ta bénédiction que Dieu a cachée en toi ne repose ni aux vêtements, ni au chevet, ni à la maison, ni aux voitures. La vraie bénédiction que Dieu a cachée en toi, même quand des gens cherchent, on te dépouille de tout, cette bénédiction-là reste. Même si quand tu commences à marcher pieds nus, cette bénédiction-là reste. Celui qui a cette conviction, quand il évolue avec Dieu, il me dit, je me lève, j'y vais. Car ce que j'ai perdu sera trouvé. Il y a des gens qui pleurent aujourd'hui. Ils voient son avenir, sa vie passer. Il dit, c'est fini pour moi. Quand il donne un zéro, je te dis, avec Dieu, c'est un commencement. Parce que la Bible m'apprend que la terre n'avait pas de forme. Mais lui, à travers la parole, il a donné forme à la terre. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, ta famille t'a rejeté, mais le rejet de ta famille t'amène comme un ministre. Des gens t'ont rejeté, cette rejet-là t'amène comme une princesse. Des gens t'ont rejeté, cette rejet-là t'amène comme premier ministre dans un pays étranger. Des gens t'ont rejeté, cette rejet-là t'amène à l'accomplissement de grandes choses dans votre vie. Ce que toi tu ne vois pas, mais c'est une porte déjà qui s'ouvre. Lorsqu'il dit c'est fini, toi reste tranquille. Dis je dois avancer. S'il dit que je ne peux pas profiter de cela, mais je crois que au nom de mon Dieu, étant donné que je me suis levé, de grandes choses vont commencer. On a rejeté Joseph, mais il ne savait pas un jour il viendra pleurer encore derrière Joseph. Que j'ai dit, ceux qui t'ont rejeté, que la famine frappe leur vie, qu'ils viennent reconnaître ton Dieu est vivant. Alléluia.
ceux qui t'ont rejeté, que la famine touche leur vie, qu'ils puissent reconnaître ton Dieu vivant. La Bible me dit, à cette époque-là, c'était le temps de l'accomplissement. Dieu a dit, si j'étais élevé, l'élévation de cet homme était basée sur une vision donnée par Dieu à travers un païen. C'était à travers une vision donnée par un païen, dont l'interprétation reposait par celui dont la volonté et la destinée de Dieu étaient reposées sur lui. Celui-là, il était comme toute autre personne. À cette période-là, il était en prison. La prison, ta prison, c'est pour ta bénédiction. Tes souffrances, c'est pour ton élévation. Pour que des gens voient. Un schéma peut se faire. Dieu a donné un songe dont personne ne peut comprendre sauf quelqu'un qui est en prison. Je dis aussi, ta bénédiction viendra seulement à force. Quand comme toi tu te lèves et tu vas vers ton Dieu, la naissance va être retrouvée. Parce qu'à travers des gens que toi tu vivras aussi ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, c'était l'accomplissement. Dans cette époque-là, ça n'a jamais existé un étranger d'être premier ministre. Le roi Pharaon a dit, pour résoudre ce problème, s'il connaît le songe, c'est lui qui doit régner. Maintenant, c'est le temps que des gens vont chercher à manger. Lui, il savait, les 7 années de famine, les 7 années d'abondance, je dois garder ce qui est bon. Lorsque la famine viendra, mes ennemis viendront. Celui qui se lève apprend la connaissance de ce qui viendra demain. Celui qui se lève saura savoir dans ma vie, je dois être prudent pour ne pas perdre encore, parce que Dieu a mis une bénédiction. Et cet homme s'est levé, allé à la recherche dans l'Est, il a retrouvé le message de royauté. Cela veut dire, il était au courant de son avenir. La parole de Dieu t'aide aussi à être au courant de ce qui viendra demain. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Parce que ce que tu seras demain, c'est ton élévation, c'est l'accomplissement de ta bénédiction. Dieu t'a amené ici dans l'Europe, tu as perdu ta famille, mais tu as retrouvé la paix. Amen. Comprenez cela? Dieu t'a amené ici, tu as perdu l'argent, mais tu vas retrouver le mariage, tu vas retrouver les papiers. C'est-à-dire, l'échec n'appelle pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, c'est un échec. Ce que Dieu est en train de faire de toi, c'est l'accomplissement de ce qui va t'amener à de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Faut voir loin. Amen. Et y voir la naissance qui vient de perdre aujourd'hui. Non, ce que je suis, vous allez le voir. Parce que le temps d'accomplissement viendra. À perdre certaines choses, cela ne veut pas dire que c'est la fin. Ce n'est qu'un chemin, un nouvel chemin que Dieu est en train de tracer pour m'amener vers l'ascension. Je vous donne toujours l'exemple de Jésus. Il était dans la royauté. Mais la Bible dit, le fait de vaincre ici-bas, sa gloire était plus forte que jamais comme il était avant. C'est pour cela, celui qui va vers la réussite n'a pas peur des petites coupes qui peuvent troubler sa vie. Parce que ce n'est que des traces qui l'amènent vers l'élévation. On peut t'insulter. Dis, faut m'insulter. Vos insultes m'aident à entrer à la bénédiction. Vous pouvez me diminuer. Continuez à me diminuer. Mais ce que vous êtes en train de déclarer, ce n'est qu'une force intérieure. Parce qu'à moi, je ne suis pas assis, mais je me suis levé. J'y vais vers Dieu parce que j'y vais. Je sais que ce que j'avais à perdre. Si quelqu'un te dit autrefois tu étais bien, maintenant tu es moche, regarde là et regarde lui. Dis tu ne sais pas ce que tu vois aujourd'hui par rapport à ce que tu verras demain. C'est toi aussi qui vas s'étonner en disant que c'est pas possible. On croyait que tu vas s'arrêter ici, mais on voit avec ton Dieu tu avances encore. C'est-à-dire ce que les gens appellent la perte, ce que les gens appellent la fin, ce n'est qu'un gain pour ta vie. Et apôtre Paul disait, même si je regarde toutes choses comme une perte, comme la boue, je le vois dans ma vie en cause de l'excellence connaissance de Jésus. Je le vois ainsi afin de gagner Christ dans ta vie. J'aimerais te dire, perdre la naissance, c'est bon. Tu peux perdre l'argent, c'est bon. Perdre le papier, c'est bon. Mais il y a une chose dans ta vie, si tu perds cela, tu n'auras plus rien. C'est Jésus.
C'est pour cela que la femme a compris. Si toutes les réponses sont impossibles à répondre, il reste une seule personne. Devant cette personne, si mes paroles échouent devant les juges, si mes paroles échouent devant mon mari, si mes paroles échouent pour réussir dans ma vie, devant cette personne, je n'échouerai pas. Parce que sa parole à lui va donner ce qui était détruit et infinitivement. Et quand lui, il dit quelque chose, rien ne peut encore revenir dans la vie de celui qui a déclaré la parole. J'ai dit, l'Europe ne sera pas une malédiction pour toi, mais une bénédiction. Parce que si ce n'était pas la volonté de Dieu, tu ne veux pas vivre. Cela veut dire, ceux qui disent mal pour toi, ils vont demander un jour, l'enfant est malade, on a besoin de 50 euros, envoie-nous. Le sorcier le plus fort, il sera frappé pour que tu vives ta bénédiction en paix. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.